Therefore, it's word or nothing. Amen. That's right. Amen. He, the Word, how do you know it's right? He, the Word, is vindicated. See, He, the Word, properly vindicated, is the headship, the head of the church. He is the Word, the headship. Donc, c'est la parole ou rien. C'est exact. Lui, la parole. Comment savez-vous que c'est vrai? Lui, la parole, se confirme. Voyez? Lui, la parole, correctement confirmée, est le chef, la tête de l'Église. Il est la parole, le chef. He's properly identified, vindicated by his own spirit, being in the church itself, the person, showing forth himself in vindication, is a direct proof to the entire body. Il est correctement identifiable, identifié, confirmé par son propre esprit, qui est dans l'Église elle-même, la personne. Lui-même se manifeste comme confirmation, ce qui est une preuve directe pour le corps entier. Don't need creeds then. Denominations has perished. But the headship itself recognized in the body by personal identification. Identifying himself proves the headship to the body. Alors, vous n'avez pas besoin de credo. Les dénominations ont péri, mais le chef lui-même, reconnu dans le corps par des identifications personnelles, voyez, il s'identifie. Il prouve au corps qu'il est le chef. Then we are united under one vindicated headship, that is Christ, the Word of God. Amen. Not under any church. Alors, nous sommes unis sous un seul chef confirmé, qui est Christ, la parole de Dieu, et non sous une église, quelle qu'elle soit. Then our headship is a kingdom. The kingdom of God is within you, said the Bible, Jesus. Amen. The kingdom, we are not a denomination. We belong to a kingdom. Alors, notre chef est un royaume. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, dit la Bible, Jésus. Le royaume, nous ne sommes pas une dénomination. Nous faisons partie d'un royaume. And the kingdom is the Word of God, made spirit and life in our own life, bringing to pass every promise in this day as it did in that day when the Word and God was one. Et le royaume, c'est la parole de Dieu faite esprit et vie dans notre propre vie, accomplissant en ce jour-ci chaque promesse, tout comme elle l'avait fait en ce jour-là, quand la parole et Dieu étaient un.